Monsieur Ahmad Rami, vous êtes le directeur de Radio Islam en Suède et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Rami, comment évaluez-vous la situation qui prévaut actuellement à Bahreïn où le régime en place a instauré un état d'urgence où sont stationnées les forces saoudienne et à un moment où l'ONU dénonce la prise d'assaut des hôpitaux dans ce pays. Je pense que ce que l'Arabie saoudite a fait est inadmissible, et scandaleux et inacceptable. Parce que c'est un précédent très grave et très dangereux et qu'il faut le dénoncer par tous les moyens. Ce régime de l'Arabie saoudite qui était devenu une poubelle de l'histoire, qui a reçu le président, le dictateur Ben Ali, est devenu maintenant une pollution de l'histoire. Il pollue par sa dictature, sa tyrannie, sa corruption. Il est en train de l'exporter et de polluer toute la région. C'est un précédent très dangereux parce que maintenant les régimes interviennent d'une façon, disons, scandaleuse dans les affaires intérieures, dans notre peuple qui a essayé de faire sa propre révolution pour corriger, pour, disons, arranger, pour améliorer sa vie, sa situation, et pour démocratiser la vie publique au Bahreïn. Le régime de l'Arabie saoudite est intervenu pour, disons, mettre en déséquilibre toute la région, tous les mouvements du peuple. Et je crois que ce qui est arrivé aujourd'hui au Bahreïn dépasse par sa gravité le régime lui-même de l'Arabie saoudite du Bahreïn et constitue alors un précédent grave que je crois va envenimer, va encore aggraver la situation dans toute la région. Et Monsieur Rami, comment évaluez-vous les réactions américaines et européennes à ce qui se passe à Bahreïn, également à cette ingérence saoudienne dans les affaires intérieures de ce pays? Parce que, disons que ces pays, les pays occidentaux, ils voient eux-mêmes ce qui s'est passé, ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, en Libye, et qu'en Libye, ils tiennent une position assez délicate, parce qu'en fait, ils voient que l'instauration de la démocratie dans le monde arabe, dans le monde islamique, dans le tiers-monde en général, n'est pas dans leurs intérêts. Et comme vous voyez, par exemple, il n'intervient pas pour aider un peuple qui est en train d'être massacré. Les Occidentaux, maintenant, voient que, au moment où ils résistent à intervenir pour aider un peuple qui est en train d'être massacré par un dictateur, il y a un de leurs bases militaires, parce que le régime de l'Arabie saoudite, il faut le dire,
n'est qu'une base militaire des États-Unis, en fait. Et aussi, il faut dire aussi que le régime de Bahreïn, est une base militaire. C'est là où il y a la plus grande base, même le commandement de la 5e flotte américaine, c'est au Bahreïn. Et j'imagine mal comment le régime de l'Arabie Saoudite, qui est seulement une marionnette des États-Unis, peut en fait intervenir au Bahreïn de cette façon sans avoir l'aval des États-Unis et sans hésiter. Et ce qui s'est passé donc est grave, à mon avis. Et d'autant plus que le régime de Bahreïn, on ne lui demande pas, le peuple ne demande pas en fait au Bahreïn des solutions miraculeuses ou impossibles. On ne demande que la démocratie.